Aimeriez-vous créer mon histoire? Nous commençons par un quiz personnalisé amusant. Ensuite, vous pourrez personnaliser mon apparence. D'accord. Quel est mon âge? Jeune adulte, adulte, personne âgée. Moi, je suis un jeune adulte. Mon ami a besoin de quelqu'un pour garder son enfant. Je suis la personne idéale. Il devrait engager une nounou. Il sait qu'il ne faut pas me demander ça. Ouais, ouais. Ouais, en vrai, vas-y. Je peux le faire, mais une nounou, c'est... Ouais, je suis la personne idéale. C'est le week-end et j'ai rien à faire. J'invite des amis, je me promène au parc, je reste chez moi et je me détends. Ah. Je me tâte entre la 1 ou la 3. Je pense que j'invite des amis. Je viens de rentrer chez moi après avoir acheté des vêtements. Je vais en parler sur mon blog, je les range soigneusement dans ma penderie. Je les mets immédiatement pour me pavaner. Je vais mettre la 3. Le meilleur moyen de financer mes dépenses, c'est travailler dur, économiser pour quelque chose que j'aime le plus. Emprunter des influx à mes amis, cela ne les dérange pas. Hard work. J'ai une soirée de liberté, comment devrais-je l'occuper? Ah, une soirée de libre. Faire la fête toute la nuit, passer du temps de qualité en solo. Une sortie classique avec un groupe soudé. Sortie avec des potes. On propose du travail supplémentaire, est-ce que j'accepte? Bien sûr, j'ai le temps, absolument. Je n'en refuse jamais. Pas question, j'ai mieux à faire. Si j'ai le temps. Le réfrigérateur est en panne, qu'est-ce que je fais? Je répare moi-même, j'appelle un réparateur, j'en achète à nouveau. J'essaie de le réparer moi-même. Et si j'arrive pas, j'appelle un réparateur. J'ai invité des gens, comment est-ce que je prépare leur arrivée? Je nettoie et répare tout, je prépare plein de choses à manger, je crée une super playlist. Ouais, je nettoie, je répare tout. Type de rebondissement. L'arrivée d'un personnage providentiel. Le héros qui devient le méchant. Un juste retour des choses. Un vrai héros qui devient le méchant, c'est bien. Et les foules me donnent envie de me démarquer, de me faire de nouveaux amis, fuir et me cacher, rester avec mon groupe pour que personne ne se perde. Je suis un peu un sauvage, moi, je reste avec mon groupe. Merci Matou pour les 16 mois. Merci à toi. T'as pas essayé de réparer tes télés pourtant? Oui. Quoi? Ah, ok, waouh. Et mes télés, j'ai pas essayé de les réparer parce que c'était vraiment cassé. Enfin, l'écran était cassé, c'est pas un truc que je pouvais réparer. Ah merde, je voulais la faire tourner, moi. Bonjour, je m'appelle. Alors, attendez. Ça, c'est quoi? Proche de sa famille. Ah, d'accord. Proie. Je vais faire un book qui me ressemble, je pense. Il y a deux actuels à l'écran. Abusez pas. Abusez pas, oui. Vas-y, c'est l'été, je vais mettre comme ça. Attends. Moi, j'aime bien ce temps-là. Tac. C'est où pour faire un man? C'est peut-être là je change? Mais non, je suis en fille là, attends. Ah! Annulé? Non. En haut à gauche. Ah, merci. Jeune adulte. Démarche par défaut. Démarche guilrette. Un peu en mode péteux. Assuré. Viril. Voilà les gros bras. Déjanté. Ah, je suis un peu un foufou. Moi, je vais mettre une démarche déjantée, je pense. Lente, dynamique, effrayante. J'ai envie de mettre déjanté. Ça, attendez, on va faire après pour les relations. C'est pas mon teint en fait. Hmm.
Comme ça, c'est bien. Tac. Coupe de cheveux. Let's go. Non. Je vais mettre les tresses. Dans une semaine, c'est bon. Ah, c'est peut-être abusé, ça. Merde. Ils sont pas aussi longs. Ah, faut que je fasse un ado pour le lycée. Merci, merci. Hein? Mais je peux pas. Attends. Comment je fais déjà pour lancer le mode lycée là? Jouer scénario? Trop de bambins, trouver l'amour après une rupture, conflit entre fiancés. Ah, juste nouvelle partie. Oh putain, l'histoire. Bon, vas-y. Ah ben non. Merde. Faut pas que je fasse l'histoire, sinon je peux pas faire de d'ado. Ah voilà, ado. Tac. En mode Chad. Non, j'ai un peu de joue. Voilà. Ah, mais ça, je gère après. Attends. Coupe de cheveux. Noir. Oh. Et ça va être comme ça bientôt. Non, ça va pas être comme ça. Ça va être plaqué. Oh, la coupe de fou furieux. En mode Krusty le clown. Wesh. Waouh, la coupe de zinzin. Ah, c'est comme ça, mais... Non, c'est peut-être pas aussi haut. Oh, le dégradé, les soins. Ah non. Attends, je vais faire semblant ou je fais un mec avec une coupe de fou? J'ai envie de me faire une coupe de fou, mais... Ça va être compliqué de pécho comme ça. Mon prof de maths avait la même coupe, wesh. What the fuck? Si j'ai envie, vas-y, j'ai envie. J'ai envie, j'ai envie. J'ai envie de faire un mec comme ça, mais sous ses apparences de bouffon, c'est un bad boy. Ah non, putain, ouah non, j'ai cru que c'était coupe genre premier de la classe. Attends, parce que j'ai envie de faire un... J'ai envie... j'ai envie de faire des dingueries, mais... Non, il y a tellement de coupes de cheveux de fou. Vas-y, pour l'instant, je reste normal. Je reste sérieux. Du coup, je mettrais plutôt comme ça, je pense. Bon, là, le dégradé est pas fait, mais... Vas-y, attends. Pour l'instant, je fais normal et je pars en couille après.
Comment ça, premium? Il n'y a pas juste le book? Ah si, je vais mettre ça. Oh oui. Non, non, non. Non, 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 il faut que je me canalise. Non, il faut que je me canalise. Il faut que je me canalise. Plus tard, je ferai un bouffon. Là, c'est la découverte. Ok. Plus tard, je ferai des dingueries. Oh mon dieu, non, c'est trop tentant. Ah oui, d'accord, ça c'est les catégories. Tu gardes les lunettes? Non, non, je vais les enlever. On va y arriver, je pense, aux lunettes. En mode gamer! Casque Logitech et tout, hein! Dourag? Dourag, il y a les tresses en dessous. Retire-moi ça. Ah non. Attends, boucle d'oreille, pourquoi pas? Lunettes, comment on retire? Comment on retire? Attends, lunettes. So-so. Ah d'accord. On drip, je mets du collier. Des chains. Il a entre 12 et 35 ans. Oh. Eyeliner. Non. Joues, yeux. Oh. Lèvres. Je peux pas le mettre en noir en mode foutu S? Mais il est passé où l'autre trait? Et j'en ai fait disparaître un? Vas-y, on retire. Ah merde, c'est en dessous, je me suis trompé. Oh là 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 là, je vais faire un joueur de foot US. Non, vas-y. Attends, j'enlève ça. Ok, les taches de rousseur, je les enlève où? Ah voilà, détail de la peau. Y'a des fossettes. Ah, j'ai mis plusieurs trucs à la fois. Je crois que j'ai un grain de beauté là. Ah, je vois pas ici. J'ai pas un grain de beauté par ici. Je vais le laisser. Les rides du front, j'ai pas de rides au front, wesh. Ah, mais y'a des créations des gens? Si! Non, 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 je peux pas. Non, mais y'a trop de trucs de sélectionner là, j'enlève tout. Visage. Je vais mettre ça. Non, ça j'ai pas. Ça j'ai pas. Ça j'ai par contre. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça j'ai. Je vais retirer le drag. Je pense que je pourrais le mettre plus tard.
Non. J'ai une tête comme ça. Ok. Putain, on peut tout changer. Yabanoush. Oh, oh, mais va. Gros bras, gros bras, gros pec. Tu pourras le sectionner pour certaines tenues, tu as tenue quotidienne de sport, de sortie. Ok, ok. Bon, d'accord. Sois honnête. Ok, ok. Ça va là ? On peut tout modifier. Hein. Mettre des bras comme ça. Des gros avant-bras quand même. Hop. Tac. Hop. Tac. Enlève le haut pour mieux travailler le corps. Et je vous vois, bande de malins. Non, je retirais pas le t-shirt. Bon, d'accord. Fou. Ouais, c'est, ça, c'est tout moi. C'est tout moi. Je vais mettre comme ça. Bon, d'accord, d'accord. D'accord. Attends, haut, sommeil, habillé, c'est ça les différents styles? Là, c'est quotidien. Ok, là, c'est ce qu'il va porter tout le temps. En vrai, quotidien, je vais mettre un truc simple, efficace, t-shirt blanc. Y a pas t-shirt blanc. Je vais mettre un truc oversize blanc. Ça, c'est création des gens. Attends, chemisier, veste, t-shirt. Ok, ça s'est bloqué. Oui, oui, je peux changer les couleurs, je viens de voir. C'est un t-shirt carte graphique. J'ai envie de mettre un t-shirt carte graphique. Non, c'est bien un t-shirt large, je suis d'accord. Ça, c'est échec. Mais y'a pas blanc classique. Ouais, je vais mettre ça à la limite, mais je voulais un truc un peu oversize. Oh, on fait sortir les gros bras. Ah ouais, j'ai plus les gros bras, là. Non, non, vas-y. Arrête de bouger. Attendez, parce que là je perds trop de temps, je vais même pas pouvoir jouer qui va être la fin, ça va être la fin du live. Attendez, je vais mettre ça blanc. Corps entier, bas. Bon, ça c'est tous les jours.
Y a pas un Jogo ou un truc? Il va faire un vote ou quoi? C'est quoi les chaussettes là? Le cargo, il est trop cargo. Mais ça, pourquoi? Je peux l'utiliser ou pas? Le cargo, il est trop cargo. Non, mais genre là, c'est vraiment un cargo de l'armée, quoi. Bon, quoique. C'est le t-shirt, ouais, je suis d'accord, le t-shirt... Veste, chemisier, débardeur, chemise, sweatshirt. Merde. Oh. Gilet. Je mets un hoodie sinon. Ah. Ah, des fois, il n'y a pas que la couleur qui change. Ça change aussi les motifs et tout. On voit plus tes bras. On les verra quand je ferai du sport. Celui-là, à la limite, ça peut le faire. Faut que je trouve juste... Tout en noir. Ok. Merci, Mirukujo. Merci pour les 5 sub-gifts. Merci, merci. Bienvenue aux 5 nouveaux et merci à toi. Ça fait plaisir. Merci, Mirukujo. En blanc. Sweatshirt. Comme ça? Ce que j'aime pas, c'est le truc à carreaux en dessous, là. Je préfère un noir. Merci Marina pour les 11 mois. Merci à toi. J'ai laissé comme ça pour l'instant. Bracelet, gants. Oh, ils en ont pas mal les montres là. De toute façon, on voit pas. Gants. Bague. Merde. Non. Comment je fais pour focus sur cette partie? Bague. Ouais, non, j'ai abusé. J'ai plus de bagues qu'un champion NBA. Non, 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 attends. Vas-y, on retire les bagues. Bague. Je vais juste mettre celle-là. Ongle de pied, legging, chaussettes. Ouais, je vais pas mettre les chaussettes de foot, je vais mettre des sockets classiques.
Les chaussures. Je vais mettre une petite touche fun sur les chaussures. Bah là, il n'y a pas plus fun. Franchement, moi qui voulais une touche de fun, je suis servi. Là, franchement, t'arrives comme ça, t'apportes la joie et la bonne humeur dès le début. Il y a des crocs ? Vas-y, on est aux États-Unis, j'ai envie de... Y a pas les claquettes comme ça avec les chaussettes là. Mais pas ça, les vraies claquettes là. Non, y a pas. Des Santiago. Il y a des simili Jordan en haut. Ça? Ah là? Non. Au milieu? Non, descend. Ça, je pense. En dessous de la chaussure de clown. Je mets quoi en bas là? Il me faut une paire. Il me faut une paire de zinzin. Franchement. Non, moi je vais bien les porter les chaussures de clown. Ça rajoute un peu de fun. Voilà, la tenue, elle est toute noire, elle est bon, et ça manque de couleur, ça, c'est un peu triste. Mais là, voilà, la chaussure de clown, elle vient un peu rehausser tout ça. Ouais, ça rajoute de la couleur. Ça manquait de couleur pour la tenue, donc parfait. Pour la tenue, habillée. Oh là 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 là, on n'est pas sorti de l'auberge. Vas-y, habillée, je vais aller un peu plus vite. Donc genre là, c'est pour le bal de promo et tout, donc faut tout donner. C'est trop chic. Ouais, mais c'est encore tout noir, mais c'est vraiment trop chic. Genre ça, franchement, c'est incroyable. Moi, j'aime trop. Mais balles de promo, faut peut-être un truc, je sais pas, un peu coloré. Il faut que je choque ma cavalière, là. Il faut que je la choque. Ouais, c'est pas que pour le bal, c'est vrai. Neupap, c'est cool aussi. J'aime beaucoup en bleu comme ça. Hein. Le bleu, je trouve incroyable. Faudrait peut-être tout l'ensemble, non? Je sais plus ce que c'est le bas. Bah noir ou blanc, y a pas ma couleur. Noir c'est pas mal, ça fait un rappel du nœud pape. Blanc c'est plus chic après.
Ouais, on est d'accord, blanc. Mais là, il y a que blanc cassé. Faut que je mette blanc ici, hein. Mais j'avoue que c'est court. Bon, c'est pas grave en soi. Oh, je mets celui-là. Ouais, celui-là, il est bien. Bon, là, par contre, il faut drip à fond. Ah, il y a tenue habillée et tenue soirée. Ok, donc là, c'est habillé, c'est vraiment, faut être chic. Là, on sort la montre en or. Abuse avec les gants. Non, il faut la petite touche. Oh, la bague au-dessus du gant. Oh, oui. Merci, Hugo Chonks, pour le sub-gift à Kalajo Chonks. Merci à toi. Merci, merci. Avec les gants. C'est la touche. C'est la cerise sur le gâteau. Non, les gants, vous pouvez pas comprendre. Vous comprendrez plus tard, mais c'est la touche. C'est la touche... Tu vois, la tenue basique, elle est là. Moi, je la rehausse ici. Mais ça, vous comprendrez plus tard. Y a pas une petite paire fun, là? Non, vas-y, la paire, je vais rester sérieux. Des petites chaussures Bordeaux. Ah, je sais même pas. Noir sinon, hein. Moi, ouais, je vais mettre noir. Vous voyez les chaussures, l'effet. C'est l'effet que je recherche. J'ai revu la tenue, ça m'a fumé de rire. Non, les chaussures, franchement, c'est trop. Genre, elles sont parfaites. Genre, elles sont vraiment parfaites, les chaussures. Sport. Ok. J'aimerais bien me tatouer le bras, mais je sais pas quoi mettre. Oh oh. J'ai abusé. T'as un tatouage Jérel ? Non, mais j'aimerais bien en faire. J'aimerais bien faire un truc sur l'avant-bras, mais j'ai pas d'idée encore. Vas-y, juste laisser celui-là. Allez, dans le cœur, il y a écrit Mom. Non, vas-y, non. Poil de bras. Poil de torse. Poil de dos. Poil de jambe. De toute façon, attends, moi je veux mettre... Je peux pas mettre le dourag? Attends, pour le sport, le haut, je vais mettre quoi? Je vais mettre un t-shirt de foot US. J'aime bien. Ils sont pas ouf les hauts là. Vas-y, je vais mettre ça. Oh, j'aime bien le short. Non. Ouais, j'avoue, je vais mettre un Marcel. Ouais. Jogo, on se met quoi? Je pense Marcel avec un short large. En mode short de basket. Là, on dirait un short des Lakers.
Ouais, mais ça, c'est pour la coupe de tous les jours. Ah non, c'est pour le sport. Ah d'accord, pour les soirées et tout, on peut changer aussi sur le visage. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Merde, il n'y a qu'une couleur sur le premier. J'aime bien le Jogo à bande là. Ah bah ça me fait penser à mon jogging Adidas, ça que j'ai. Pas d'accessoires pour le sport. Chaussures. Ah, je vais me mettre pieds nus. Vas-y, m'en fous. Je me mets juste en chaussettes. Je vais mettre des chaussettes ou pas? Oh oh. J'aime bien mettre une petite touche fun à chaque fois en bas. Ok, parfait. Ok. Sommeil. Ok, pour dormir. On met pas de haut. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tac. J'aime bien les pantoufles qu'il a là. Oh les lovers, oh les lovers, quel tombeur. Ouais. On va se mettre comme ça. Fête. Ok, donc fête, c'est genre... bon, c'est un peu moins chic qu'habillé. C'est en mode soirée étudiante, quoi. Comment je me pointe en soirée étudiante? Là, il faut que je sois drip. C'est là, je dois impressionner, là. Le t-shirt 4 graphique, en vrai, ça peut être impressionnant en soirée. Soirée étudiante, qu'est-ce que je peux mettre? Il me faut une pièce unique. Il faut que je tape à l'œil. T-shirt carte graphique, j'aime bien. J'aime beaucoup le t-shirt carte graphique pour les soirées. On me voit de loin. J'ai enlevé le filtre homme. Couleur, matière. C'est où? Ah voilà. Ouais bon après. Carte graphique. Ah. Ouais. Bah merci Jockey. Et merci Jockey, merci à toi. Bienvenue au... Bienvenue au 25 nouveau, merci énormément Jockey. Wakandava, ça fait beaucoup déjà, ça fait beaucoup et merci. Merci énormément pour tout le soutien, pour tous les subs offerts. Bienvenue à vous du coup.
Il est bientôt 19h30, on a toujours pas commencé à jouer. Abuse, oui, il est 14. T'abuses. Mais merci, merci Joki en tout cas. Merci du fond du cœur. Avec grand plaisir, et ben merci. Merci à toi. Ah, je sais pas quoi mettre. Une chemise, c'est le bon plan. Avec la petite laine, si quand il commence à faire tard. Ah, c'est soirée lycée. Ça, c'est bourgeois. Ah, ça, c'est à la boule. À la boule, il se balade comme ça. T'es un plus de 10. Soirée étudiante, je sais pas si je peux me ramener comme ça. Putain, je voulais une petite chemise cool. Oh, attends, avec le col roulé. Est-ce qu'on peut mettre un col roulé Ah merde, c'est à bande. Non, ça fait bizarre avec la chemise. Le motif il change là. Y a une chemise pas à carreaux ici. Ça peut être clutch. On peut venir en mode ouais un peu tranquille quoi. Merci Cassie, merci pour le subgif, pardon, à Junard. Bienvenue. Non, allez, allez. Allez, parce que là, je perds trop de temps. Il y a trop, c'est ça le problème, c'est quand il y a trop de trucs à customiser, moi, je me perds. Jean simple. Et merci Lola pour les 4 mois. Merci à toi. Une chine simple. Ça. Je viens en mode cool, vas-y, petit jean. Wow. Oh, j'aime bien ça. Le short, j'aime beaucoup. Attends, je peux juste changer le haut là ou pas? Ah merde, non, c'est un ensemble ou rien. Oh non, rebelote du coup. Veste, chemisier, chemise. Ça fait tellement pas étudiant le hola. Et pourquoi pas mettre un haut ultra chic et un bas, bah pas de bas en fait. Genre un truc comme ça et en bas je mets rien. Non, non, c'est quand même le bal de promo. C'est soirée, pas un gala. Après il reste quoi? Maillot de bain, bon ça va aller vite. Température chaude, température froide. Ok, ça va aller vite. Désolé, mais je suis l'homme le plus indécis sur cette planète. C'est horrible quand il y a trop de choix.
Moi, je vais remettre ça. En vrai, ça, j'aimais bien. En beige, vous voulez? J'ai vu qu'il y en a pas mal qui demandaient en beige dans le chat. Beige et on met un pantalon... un jean. Avec jean noir. J'aime bien la montre. Vas-y, on va mettre ça. On met une bague. Pas la bague que j'ai tous les jours, là. Et chaussures. Petite Converse. Non. On aura droit à 3 lives pour la création du Sims. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. En soirée, j'ai envie de mettre les Santiago. Rouge. Maillot de bain. Mais il est pas de long le maillot de bain. Non, il est trop long le maillot de bain là. Abuse. Non, mais le maillot de bain il va sous les genoux. Mets le petit slip. Mais là il est en boxer mon mec là. Mais il est en boxer. Oh, j'aurais bien aimé en jaune. Mais le problème, c'est celui-là en jaune, il est moche. Dernière catégorie en bas. Ah, merci. Oh là là, il a écrit quoi? Je sais pas, mais j'aime bien. Ok, ça c'est tenu quand il fait chaud. On a bientôt fini. On va bientôt pouvoir jouer. Quand il fait chaud. Vas-y, je speedrun ça. Allez, quand il fait chaud, torse nu. Ton slip. Est-ce que ça c'est irrémédiable ou je peux quand même le changer plus tard? Je veux juste savoir parce que... On n'a pas le droit aux chaussettes quand il fait chaud? Non, tu peux changer. Ok, bon bah je mets ça. Je mets ça quand il fait chaud et quand il fait froid. Et ben, je kiffe beaucoup. J'aime bien les lunettes là. Putain, mais il a pété les lunettes et les boucles d'oreilles carrément quand il fait froid. Et ben. Hop. Aïe, 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 aïe. Mais attends, mais pourquoi il a pété les boucles d'oreilles et tout? Non, 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 non. Bon, allez, c'est bon. On valide. Alors, voici mon style au quotidien. Il y a tout le temps... Oh, non. Il y a tout le temps un truc qui va pas dans toutes mes tenues.
Quotidien, soirée habillée. Sport. Ah putain, non, je me suis dit celle-là ça va, mais il y a les chaussettes. Pour dormir. Pour les fêtes. Maillot de bain. Quand il fait chaud. Et ton... ton froid. Ok, let's go. Je m'appelle Tommy. Tommy Actuan. Tommy Actuan. Ado, la démarche. Ouais, démarche déjantée, j'aime bien, c'est un petit côté foufou. Douce, mélodique. Ah, c'est la voix. Voix chaude, voix affirmée. Nafi Bokano, Weibo. Oh, Bekanoi. Kalu Bokana. Swaby. Douce. Nish Yaba. Wesh. Ah là, c'est too much, c'est robotique carrément. Bella Bag. Blarnadorf. Zula. Enjoué. And Boyish Annoy. Shabni Brifna. Kubne Bokana. Bobanes Gofta. Claude. Nosh. Gilan Weibo. Là, ça fait ado, je trouve. Dromus, Okoro. Griffin Taboo, Blurb. Pipamoy Yabia. Vas-y, je vais laisser comme ça. Alors, aspiration, ado. Les Sims à qui on peut s'identifier les plus rapidement des relations amicales avec les autres ados. Amour. Séduisant. Les Sims séduisants ont plus de succès que les autres en amour. Connaissance, créativité, déviance. Très bonus, ignoble. Les Sims ignobles réalisent des interactions méchantes. Plus puissantes et plus efficaces. Bon appétit. Bon appétit. Famille, nourriture, nature, fortune, popularité, sport. Comment ça, ça me correspond bien. Déviance. Vilain Valentin, ce Sims veut détruire la vie amoureuse de tous les Sims, y compris la sienne. Oui. Ce Sims veut faire des ennemis et devenir un criminel célèbre. Ce Sims ne vit que pour faire des blagues et semer le chaos. Je veux détruire des cœurs. J'ai envie de faire un gros connard. Ce Sims veut détruire la vie amoureuse de tous les Sims, y compris la sienne. Mais là, il veut faire du mal tout autour. Attends, amour, il y a quoi? Romantique en série, ce Sims veut s'amuser à aller, à des rencarts avec toutes sortes de personnes intéressantes. Ce Sims veut trouver le grand amour et mener une vie gratifiante avec lui. Vas-y, le mal. Sport. Je veux s'entraîner de devenir le plus fort. Bon, fortune. Ouais, non, fortune, on s'en fout. On veut s'amuser. Faire que des blagues et semer le chaos. De se faire des ennemis et devenir un criminel célèbre. Non, j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de briser des couples. Ignoble. Non, non. On fait un charo ou on fait vraiment attends. Amour, créativité, ado. Vas-y, on met ça. Sélectionnez ce que votre sim aime et n'aime pas. Musique, j'aime bien le hip-hop. J'aime bien le blues. J'aime bien la musique classique. Merci Cosme pour les 1 an.
Pour cet anniversaire d'un moment, je souhaite que tu fasses un personnage ignoble, s'il te plaît. Bon, et ben voilà. Musique alternative, j'aime bien. Musique du monde, j'aime bien. Musique effrayante, bah j'adore celle de Blue Knees, là, dans Madison, j'ai kiffé. Radio berceuse, j'aime bien. Fête de fin d'année, oh, j'adore. Radio pour enfants. Musique romantique, ouais, je suis un gros lover. S-pop, c'est quoi la S-pop? La pop, ouais. Musique rétro, ouais. Électronique, ouais. Ah, j'écoute pas de musique pour enfants, moi. S-pop, je sais pas ce que c'est. Marja... Tanoba. Ah merde, attends, y'a pas que pour la musique. Couleur. J'adore le bleu. J'aime bien le rouge, j'aime bien le noir. Ah mais attends, mais la musique, j'ai tout mis en fait, faut que je trie là. Ah, Kanaya. Pas que j'aime pas non plus. Vas-y, friand, je m'en fiche, électronique. Hop. On va laisser de la place. Couleur, bon, y'a pas de couleur que j'aime pas, hein. Y'a une couleur qui me sort vraiment par les trous de nez, là. Non, j'aime bien le vert. Mode. Style BCBG, style basique, ouais. Streetwear, ah oui. Élégant, j'aime bien. Après, reste ou non. Activité. Fitness, ouais. Comédie, ah, attends. Mixologie. Malice, piano, ah oui, oui, oui. Piano, c'est un oui. Ah merde, vous voyez pas avec la cam, mais c'est juste piano que j'ai coché. Jeu vidéo, grand oui, grand oui, grand oui. À la cuisine, j'adore. La programmation, malice. Allez, je suis quelqu'un de malicieux. Ok. Les traits, actif, créatif, génie. Joyeux, morose, pitre, sûr de lui, lui sans chaud. Ces Sims ont tendance à se mettre en colère, peuvent énerver d'autres Sims et peuvent aussi se mettre en colère lorsqu'ils sont la cible d'actes malicieux. Non, attends, si. Romantique. Ces Sims ont tendance à être enjôleurs et risquent d'être tristes s'ils n'ont aucune interaction sociale romantique pendant trop longtemps. Soit sans chaud, soit romantique. Y'a d'autres choix en haut? Amateur d'art, geek. Pavaric. Geek, gourmand, et ma musique, perfectionniste, rat de bibliothèque. Crasseux, élève brillant. Maladroit. Matérialiste, kleptomane. Oh vas-y, je vais faire un kleptomane. Merci Roman, merci pour les 5 mois. Je vais essayer de voler des trucs. Je vais essayer de voler des trucs à mes dates. Kleptomane, oui, c'est quelqu'un qui vole. Qui vole beaucoup. En plus de voler leur cœur, je vais essayer de leur voler leur portable ou autre. Ah merde. Je vais mettre Kleptomane. Oh non, l'idiot, oh non. Romantique, kleptomane, commis actuel. Hey! Putain, le beau gosse! Ah ouais, celle-là, elle est bien. Attends, attends, valide pas. Attends, où là? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas klepto? Oh! Oh putain, merci. Ah! Yavoya! Ah!
left. Ah putain. Ah putain, merci. On a encore eu de la chance. C'est bon là, hein? Oh mon dieu. Là c'est bon, je peux être prêt, hein? Ok, on est parti. Sélectionnez un monde dans lequel emménager. Willow Creek, Oasis Springs, Newcrest. Copperdale. Ça a l'air incroyable, Copperdale. J'ai 20 000 dollars pour un étudiant, c'est bien. Newcrest, c'est vide. Copperdale, ça a l'air d'être un banger. J'y vais. Endroit pour vivre. Bah, c'est pas l'université ? Attendez, là, ça marche comment, du coup, pour le DLC ? Nommons un hommage au fondateur. Cette place est un endroit pittoresque qui regroupe tous les lieux où aller après les cours. Pour les ados, accro à la mode, la célèbre boutique. En fait, c'est la vie au DLC. Enfin, c'est la vie étudiante. Ah, mais du coup, je vais là. Le petit carré en bas. Ni des petites chutes résidentielles. Entre autres, voies populaires pour l'extraction. Hein, après la fermeture des mines, la ville se transformée en lieu pittoresque, en fait foraine au bord de l'eau. Avec des sensations fortes, non. De toute façon, je peux aller que là-bas. Hein. Non, mais là, il n'y a pas de maison, donc je vais mettre là plutôt. Il y a une baraque. Ah oui, mais 18 000 après, j'ai plus de thunes, hein. Je vais là. Meublé, non meublé. Ouais, meublé. Oh putain, mais j'ai plus un rond. Construis ta maison. Non, 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 attends. Là, je suis là pour vivre des aventures. Si je construis ma maison, ça va être... Ça va partir en Motherload. Il y a encore le code. Il marche. Lycéen ayant C de moyenne. Ah, ça marche toujours. Mon premier appart étudiant. Oh, let's go. J'aime bien, c'est cosy. Il est en forme. Quand j'ai quoi? J'ai deux chambres! En vrai, ça passe quand même. Bah oui, ça passe bien. J'ai ma petite télé, j'ai deux chambres. J'ai une petite cuisine pas mal. Salle de bain petite. Non, papa et maman, ils m'ont mis bien. Changer de tenue, lycée. Vas-y, on va au lycée. Consulter emploi du temps. Emploi du temps. Lundi matin, mathématiques. Après-midi, science. Oh putain! On est quel jour là? Dimanche. Vas-y, on va réviser un peu. Calendrier du foyer Actuan. Journée de sport. Du sport de l'équipe de football américain. Oh, il est dans l'équipe de foot US, mon mec. Examen vendredi. Ok, donc j'ai le temps avant de réviser en vrai. Balle de promo déjà le samedi là? Ah mais tous les week-ends il y a balle de promo. Il est en train de réviser là je crois. Réviser pour l'examen. Let's go, ça taffe dur. Embrasser quelqu'un. Peut-être une bouche en cul de poule. Écouter de la musique de fête de fin d'année. Ok, ok. Il veut déjà embrasser quelqu'un. Putain, la rentrée, c'est demain, là. Aller pêcher.
façon, c'est dimanche. Tu peux rencontrer des gens le dimanche ou pas? Je voir s'il y a des gens dans ma résidence. Une fête foraine. Faire un tour de grande roue. Vas-y, je vais faire un tour là-bas. On révise, c'est dimanche, c'est chill, je vais voir là-bas. Mais t'es pas à la fac? Hein? Mets ta cam en haut à gauche. Ah oui, pardon. Je la mets comme ça, c'est bien? Ouais, je la mets là, à la limite. Arrête de réviser. On va faire un tour là-bas. J'espère qu'il y aura des gens. Soit il y a des voitures, ça devrait aller. C'est qui elle? Voisin. Marcel Price adulte. Et Janae. Comité d'accueil. Il est où mon mec? Oh mon dieu. Ah ouais, c'est vrai que j'ai la démarche là. par contre, le comité d'accueil, bon bah ils sont, ouais. Ah, je suis pas là, désolé les refs. Hein. Non, non, c'est trop. Les filles, elles aiment bien la démarche là? Oh, il lâche pas le mobile, hein. Non mais ça sert à rien de forcer, y'a personne hein. Gâteau... Cake aux fruits gastronomiques. Merde. Ah merde, mais il fait un tour mais c'est tout. Effrayé. Merde! Putain, je pensais que j'allais dans un bâtiment qui allait avoir des gens et tout, moi! Rentre à la maison vite! Oh non! Appelle H. Arjo. Salut, je m'appelle H. Bienvenue à Cooperdale. J'aimerais te donner des conseils sur des trucs super à faire ici. Comme aller à la jetée Plum Quartz. Est-ce que cela te dérange si je te. Recontacte ces jours-ci pour voir si c'est bien installé. Bloqué. Il est terrorisé là? Putain, mais il est terrorisé mon mec! Présentation amusante. Vite, 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 vite. Oh merde. Oh non, ils sont partis. Se cacher sous les couvertures. Oh non. Mais attends, il a fait le bateau fantôme, il a peur comme ça, là? Bah alors? Il est déjà midi, faut que je mange peut-être. J'ai une cuisine? J'ai pas de cuisine? Ah si. Cuisiner, ouvrir, améliorer, servir le petit-déj. Je peux cuisiner quoi, là? Pan de muerto, sandwich au fromage fondu. Ouais, allez. Portion individuelle, familiale. Ouais, je suis un gros gourmand, je vais faire un truc familial. Putain, j'ai loupé l'accueil avec les voisins. Il s'est cuisiné. Oh yeah.
J'ai hâte d'aller au lycée. A qui la compétence cuisine? Oh, le crack! C'est bon? Lycée. Je vais pas réviser, c'est bon. C'est qui ça? Présentation amicale. C'est qui lui? Vladimir Gothic. Qu'est-ce qu'il rôde derrière chez moi comme ça, lui? C'est bien, il est propre, il a nettoyé avant de lui dire bonjour. Je vais faire une présentation grossière. Dégage de chez moi! C'est le riche de la vide! Et pourquoi il se met en slimard? Il fait quoi, Vladimir? Non, 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 présentation grossière! Je vais aller l'embrouiller. Qu'est-ce qu'il fait en slip chez moi, lui? Il m'aime bien? Conversation désagréable. Je renseigner sur ses biens précieux. Oh, je vais lui demander. Il est riche? Oh merde. Je m'excuse. Qui la compétence malice? Je m'excuse. Donnez une bonne... Donnez une bonne baffe! Je vais le gifler, je crois. Je vais le gifler, pourquoi il en slip chez moi? Une imitation raillée. Se moquer de la barbe moustache. Gagahara. Squaz Nelcher. Lanji Chilo. Plinze Shard. Oh, il a bien aimé, wesh! Comment ça, il a bien aimé? Comment ça, je l'ai giflé, il a bien aimé! Wesh, Vladimir! Attends, il est bizarre, lui! Rugi Payoun! Renseigner sur les biens précieux. Sans tout s'assumer à propos de l'excitation de lui voler de voler quelque chose. Lamita Noon Kim. Shape it. Lanji. Quas? Henbei. Uh-huh. Yishla Henbei? Oh, Yixo. Je vais me mettre dans la poche. Enjôleur? Quoi? Le son sur le trait caractère romantique? Quoi? Mais attends, et pourquoi? Attends, non mais c'est bizarre là. Donner des conseils sur les relations. Je l'appelle. Eh oh Vlad, viens. Mais qu'est-ce qu'il fait en slip près de chez moi? Il marche comme moi en plus. Non, il est louche. Vlad! Essayez de se calmer. Putain, d'humeur enjôleuse. Les Sims romantiques ont du mal à ne pas être enjôleurs. Mais c'est un bug. C'est un bug bien plus âgé que toi que t'as giflé. Il joue à quoi? Je suis en train de chase. Ah mais je suis là. Summer Holiday, jeune adulte. Mais qu'est-ce que je fais à côté d'elle? Je me suis TP. On va se présenter. Et moi je suis quoi? Ah non, je suis ado moi.
Fasanoi, Valpim. Vanti. Primé avec sa tenue. Je vais flex, je vais flex. Weezark Barangi. Galbania Insubadibo. Il est d'humeur enjeuleuse, mon perso là. Jeune adulte. Non, attends. Se plaindre de ses parents. Il bon de merde, la part trop nulle avec deux chambres. Donner des conseils sur les relations. C'est peut-être un peu rapide, non? Felina's Bumzoi. Chemarie Lahoin. Brisham. Wafatub. Prita? On a parlé de cuisine? J'aime bien la cuisine. Abba, Barnoi. Oh, Vadish. Ooh. Mm-hmm. Ok, ça marche? Je vais la féliciter. C'est une disquette, félicité. Warbaquas. Oh putain, j'ai cru que j'allais la gifler comme Vlad, j'ai eu peur. On est complices, on a un check. Shalbo, Bempi, Gwantz. Zambu, Monet, Niborf. Funichi. C'est les chaussures qui font la réfé. Yanafe, Watini. Raconter une drôle d'histoire. Demander de passer du temps ensemble. Se renseigner sur comment faire crac-crac. Ah mais oui, putain, je suis un ado. Je vais demander de passer du temps ensemble. Se renseigner sur comment faire crac-crac, c'est peut-être bizarre. Après, c'est une jeune adulte. Hein. Pourquoi elle est sur son GSM? Elle s'ennuie. Bon, eh ben on va la voler. Mais je sais pas comment on vole. On vole comme ça, là? Ou faut aller dans la maison pour voler des objets? Discuter avec Summer. Faire une blague sur la barbe moustache. Faut aller dans la maison? Oh, c'est un ado. Spinay, Hogar Beret, oh Yabahorn. Elle aime bien voler aussi. Je vais voler des affaires. J'ai 1200 dollars, je suis étudiant, il me faut de l'argent. Vole là quand tu seras en couple avec. C'est horrible. Non, au lycée, par contre, j'espère qu'il y a des dortoirs ou des trucs, hein. Ils vont où? Prendre une photo? Ok. Oui. Ok. So brief. Yada boo. Manji. Dev. Gabriel. Oui. Comment ça, ils ont pas kiffé? Ils ont pris une photo, sympa, ils ont pas kiffé du tout. Je comprends rien en relation là. L'autre, je l'ai giflé, il a kiffé après, mon perso, il était en mode enjôleur. Là, ça se passe bien avec Summer, on prend une photo et ils ont pas kiffé, ils sortent, ils sont chacun sur leur portable. T'aimes bien quoi, Summer? Mal à l'aise? Sonia Gothique. Fribble Frolus. Eh mais c'est pas la femme de Vlad, elle. William Galan. Blarnel Stop. Je vais me présenter à elle aussi. Et je vais me plaindre de mes problèmes à Summer. Oh, Carzini. Bon, j'ai juste dit bonjour par politesse. Ah, c'est elle, la meuf à l'inca. Sula Sula. Discuter avec Sonia. Free, but... Surfer sur le web. Non. Summer. Tu te souviens quand on voulait voler quelque chose? Photo qui fait mal. Photo à deux terriblement ratée. Le genre de photo qui ruine des amitiés. Ah putain, ouais, non, la photo, ça s'est mal passé. Hein.
Putain, la photo, elle s'est vraiment mal passée. Hein. Ça va, c'est ça en fait qui a foutu un. J'essaie de me renseigner sur les biens précieux. Veruda et Kampol. Lumbic Jarl. Je reviens sur le live, son perso avec deux meufs. Non, 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 l'autre, c'est pas, elle s'est incrustée. Brugi Payoun. Glish Gapso Harfa. Wooninar Shuna. Demandez de passer du temps ensemble. Roy. Bashna Limla. Hakyoin Limla. Ok, je peux rester un peu. Pourquoi il nettoie ici? Mais pourquoi il nettoie le... Attends, mais il se passe quoi? Cela me fait plaisir que tu ne trouves pas à Rengard mes blagues sur les lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. On va la laisser. Mais attends! On devait passer du temps ensemble, et pourquoi mon mec il s'est mis à ranger et tout? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh le romantique! Regardez-le, il est tombé amoureux, il est en train de jouer un petit truc là. Ok, bon, il est temps d'aller à la maison. Faut dormir, demain il y a cours. Faire une bataille d'oreiller avec Summer? Ah mais elle est à la maison, Summer! Cours, 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 cours! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est venue chez moi, Summer! Elle est cachée dans le sapin? Vite, 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 il est où? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici, Summer? Elle veut te voler, je crois. Imagine, c'est elle qui va me vole mes affaires. Ah, mais j'ai demandé de rester, mais ouais, mais je savais pas qu'elle allait... Oui, ça va vite, là. De toute façon, il n'y a rien à voler, ici. Envoyé à son domicile. Ok. Et maintenant, on fait une conversation profonde. Oh là, il est confiant! Il est confiant! Merkid Quinofa, yips. Piguna. Scumage. Oh, je suis. Là, je suis confiant, je raconte une histoire incroyable. Exenoi Zant? Wasusa! Genja. Ah! Mais c'est vrai que j'ai un grand lit, j'ai deux chambres. Wisp! Shabibwa. Farmu. Pim. Chibwa. Yips Panaru. Balouf. Funiata, huh? Oui, je peux pas la draguer, elle est jeune adulte, c'est vrai, je suis ado. Onay. Onay. Elle aime bien la slip cœur? Uba Wayna. Qui met en montrant ses muscles. Vas-y, vas-y. Il est confiant de ouf là. Connexion profonde. Nouvelle amie. Babe Nelfi. Ah merde, c'est ma pote. Subawil. Ah, c'est ma pote. Hakyoin Limla. Kibaya. Non, je peux pas, c'est ma pote. Je suis un ado. Kanathoi Narbol. Milshaba. Faire une sieste. Bon, allez, va dormir. Il est 23h. Oh, je l'offre.
Bon, Summer, t'es un peu intrusive là. Attends. Envoyer à son domicile. Ah, je dois y aller. Bon, bah voilà, c'est bon. Merde. Merde, du coup, je me suis levé pour rien. Ouais, voilà. C'est à quelle heure les cours? J'ai trop hâte de faire le lycée. Mal à l'aise. A faim. Dois faire pipi. Bah fais. Fais pipi et puis on commence à faire à manger. Non. Prendre le petit déjeuner. Toast avec œuf. Voilà. Merde, il a pas rangé. Ah putain, c'est vrai que j'avais fait une portion pour 4. J'aurais dû manger une portion unique. Calendrier. Lycéen ayant C de moyenne de 8h à 15h. Oh là 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 là, je suis à l'heure, là c'est parfait. Il est 6h42. On est bien pour les cours là. Mange. Il est en mode chatcheur encore ce matin. J'adore la cuisine. Augmente enjôleur. Quand même bon. Aïe. Faut que tu révises. Non, j'ai vu les examens, c'est que samedi. C'est vendredi ou samedi, on est lundi là. Mange mon ref, tu vas être en retard pour les cours. Hein. Wow. Ouais, non, c'est un flop mon repas là. Quand même bon. Ouais, c'est bon, il est en mode enjôleur. T'as oublié de faire tes devoirs? Lundi matin, mathématiques. Merde, je dois aller être en cours dans 10 minutes! Comment on y va? Vous avez un sim sur le point d'aller en cours. Souhaitez-vous vous joindre à lui? Rejoindre. Ok. C'est bon. Les choses sérieuses commencent! Lycée de Copperdale. Le temps libre du matin se termine dans 2 minutes. Cassandra Gothic, Molly Prescott, Savannah, Noah. Ça, c'est l'université? Ah, je l'avais vu en ville, Sydney. Malcolm. Ash. Ça, c'est une prof. C'est proviseur. Présentation grossière. Obtenir des informations sur le nouveau lycée auprès du proviseur. Qui est en train de faire ses besoins. Elle est en train de jouer à un jeu. Présentation amusante. Pourquoi la proviseur est en train de jouer à un jeu, là? Les cours, ils commencent dans 1 minute. Finalement, t'es le mieux habillé ou je rêve? Bah non, je suis le mieux habillé, ouais. Tu rêves pas, hein. Mais elle s'en fout. Se renseigner sur comment faire crac-crac.
Merci Loloïs pour les 3 mois. Village Benet, Narfawit. Oh, ah, y a rien qui va. Et pourquoi elle joue aux jeux vidéo? Mais wesh! Mais l'approviseur, c'est une blague? Obtenir son diplôme d'avance. J'ai demandé des infos. Abandonner le lycée. Ça, c'est la gothique. J'ai déjà vu son père. Son père est louche. Il court, il commence, je vais être en retard. La journée de course se termine à 15h. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Au Sims? Ah, pourquoi? Ah ouais, d'accord, d'accord. Arrête, je suis au lycée. C'est comme ça. Je suis au lycée, donc comme ça de quoi ça? C'est super, le mec. Je suis en retard au cours. Par hasard. Donc là, t'es en train de me voler mon business. Non. Devant tout le monde. T'es un streamer Sims, toi? Bah ouais, je suis un streamer Sims. Non. Eh ben si. Non. T'es en train de me voler mon business. Mais non, je suis au lycée, donc, moi. Je fais Planet Coaster, il fait Planet Zoo. Oh, arrête. C'est les Sims. C'est les... Fait les Sims. Ça fait Planet Coaster, j'ai vu en même temps. Y avait... C'est un voleur. Y'a Kameto et Leclerc qui jouent à Planet Zoo. T'es un voleur. Mais t'es un voleur de concept. Laisse-moi deviner, tu vas faire une vidéo où tu voles les femmes de tout le monde? Non. Je suis au lycée. Connard. T'as pas honte? Je sais pas où il est, mon perso. Ah. C'est un banger, Road 4. Ah, vie. Et De toute façon, c'est une sorte de boucle, un peu. Un mec qui s'est fait arrêter. De toute façon, oui, c'est plein de boucles. Enfin, tu refais à chaque fois le... Oh putain, j'ai perdu. J'ai cru que j'avais spoil. Mais non, non, c'est ça. Demain, quelle heure? 14h. Attends, mute-toi. Morheone. Arfenaya. Your blick. Zarzuya. Barbahoy Grosh. Unaba Basamu. Finuza. Ah, Yolans. Olawate. Shapula Zomphis. Inabosh. Apadola. Wanafub Wadida. Shpina. Fliderno. Bimbalop Bialbo Glaive. Au revoir, voleur. Arrête. Au revoir, Arnaud. On pourra pas parler sans... Mais j'ai juste dit au revoir. Hygiène. Mon perso est cracra. Arrête. T'es pas mute? Si, là je suis. Oui, de toute façon, c'était pas important. Attends, mais je me suis pas douché avant d'aller en cours? On va se présenter. Non, mon perso il est en mode crassou là. Je vais parler à Cassandra. Ah, mais c'est pas le prof lui! Mais il est où le prof? Ça se passe mal? Embrasser les mains. What the fuck? Faire une blague à propos de l'acné? Je vais frimer avec ma tenue. Sula! Emke Schluffy? T'as l'air d'être mon gars, lui! Angelo! Oh, je vais répandre une rumeur méchante! Oh merde, il est en train de puer, mon mec! Oh putain, non! Y'a des douches? Non! Prends une douche. Ah oui, let's go, y'a une douche. Comment on fait pour descendre en bas?
Enfin, pour descendre sur la cam. Pour passer d'un étage à l'autre. Putain, merde. Ah ouais, la honte, hein, il est blasé. Discussion ennuyante. Blasé sur une discussion sans intérêt. Aïe. Bon, à droite, il y a des flèches. Ah oui, d'accord, merci. Mais du coup, il y a plein de salles. C'est l'heure de manger, là. Le déjeuner se termine dans 1h03. Je vais essayer de manger avec elle. Je vais essayer de pécho la fille de Vlad. On va faire l'idiot. Il mange ou pas, mon mec? Quoique, j'ai pas faim, j'ai mangé ce matin. Ok, let's go. Offrir une rose. Cassandra. Hey, c'est pas offrir une rose, ça. Gérer des activités amusantes. Oh merde. Oh, c'est l'heure des cours. Oh, le flop. Oh, ça se passe trop mal. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis offrir une rose, ils sont embrouillés. Merci Lucie, merci pour les 5 mois. Ling est pas du tout passé là. Normal qu'elle t'aime pas. T'as dragué son père. Mais comment ça? Non, j'ai pas dragué son père. Bon, qu'elle m'aime pas, je comprends, parce que j'ai giflé son père. Mais j'ai jamais essayé de draguer son père. Hein. Avoir une interaction amicale avec un adulte du lycée. Oh, faire une présentation grossière. You're Blick. Zarzuya Arfanaya. Arfanaya. You're Blick. Zarzuya. Farbahoy Grosh. Unaba Basama. Ah merde, mais c'est après les courses. Ah, Yabans. Shinoi. Bancha Dorna. Emka Floof Gaffa. Afrosh Quunk. Je peux pas sécher. Gibbs. Yabosa Brop. One Penerf. Alfonsa. Essenoi Mipa. Je suis obligé de suivre le cours. Heureux. Tommy coche la case. Coche une case de plus sur la liste des choses qu'il veut faire. Épanoui. Let's go. Bilan de fin de journée. Les professeurs ont ramassé les devoirs et ont fait sortir leurs élèves. Certains Sims. Tommy semblait un peu inattentif en cours aujourd'hui. Il devrait s'assurer d'améliorer ses compétences scolaires avant la semaine prochaine. Illuminer la journée. Vas-y. Il est en mode enjôleur en plus. Bruhana Vitor. Dolopa. Bekinja. Oui, oui. Oh. Yanibi Yanka. Discuter avec Mei, non? Ich. Ouah, ça se passe trop mal avec Cassandra. Je vais la féliciter pour sa journée de cours. Heurté? Vas-y. Non, la Cassandra, ça se passe trop mal. Non, je vais pas embrasser sa main. Je vais demander des infos à Sunday. Sunny, elle s'appelle comment, ma pote? Summer. Ça se bat? Ouais, j'ai une embrouille. Y'a embrouille. Présentation grossière. Offrir une rose. Être témoin d'une bagarre. Non, non, non. Offre la rose. Merde. Je voulais un peu changer le...
Mais wesh, mais elle est longue la bagarre. Mais il y a l'approviseur qui regarde. On revient pas. Prendre une pause sexy, c'est quoi? Oh. Florine? Oh, il est bon. Ok, ça se passe trop bien. Oh, ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, on parle un petit peu après les cours. Oh, Vadish. Ça va, compte plus. Plus cœur. Vadish. Demandez si elle est célibataire. Et on va être rapide. Elle est enjôleuse aussi. Sycophus, Balafoy Polychamus. Sapene? Jeffa. Chani. Tommy a appris que Cassandra était célibataire. Pourquoi elle parle d'un lit? Je vais faire une petite blague. Pas drôle. Oh, je vais voler! J'ai voulu voler son daron au début. On va aller voler des affaires après. J'ai appris la compétence charisme. Confiant. Je suis en pleine confiance. Je vais raconter une histoire incroyable et après je lui embrasse les mains. C'est tout tracé. Elle est célib. Là, on y va. Vas-y, la proviseure, elle est trop à l'aise. Elle joue aux jeux vidéo le matin pendant que j'essaie de demander des informations. Dégage. Ah non, c'est une professeure. La directrice, elle a éteint son jeu. Au début, le feeling, il passait pas. Hein. Tchatcheur! Tchatcheur! Technique de drague osée? Il est confiant? C'est quoi la technique de drague osée? Elle est charmée! Elle est charmée, là, ça se voit! Baba! Oh là 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 là! Baba! Courir en bombant le torse. Oh, on va faire du sport. Donne tout, mon grand. Ah. Premier baiser. Premier baiser. Premier baiser. Arrête de courir. Oh oui, c'est trop beau. Devant le bus. Avant de prendre le bus. Je la rattrape. Là, mon personnage est confiant. Regardez comment il bombe le torse. Cassandra et Tommy embrassent tous les deux quelqu'un pour la première fois. Il est plus que confiant là. Premier baiser. Ressens un tourbillon de passion et de bonheur après un premier baiser. Baiser suave. Et après, je demande de passer du temps ensemble, après les cours. Wesh. Échange langoureux. Ok, je peux rester un peu. Let's go. Là, je peux choisir une activité. Parler de mariage. Parler de mariage. Je lui parlais de mon excitation de voler quelque chose. Révéler un béguin. Venir par la main. Ah oh, oui. On est en couple maintenant. C'est le grand amour. Déclarer son amour en public. Proposer un rencard. Ouais, propose un rencard. Vas-y, on propose un rencard, déclaré en public. Non, parce que moi, mon personnage, ça va être une crapule. Petit date, on va où? Bibliothèque du lac. Des tendances. Ça, c'est le lycée. Parc. Vas-y, on va prendre un petit friperie et salon de bubble tea. Vas-y, on va là-bas, hein.
Regarde dans les autres villes. Ah, je peux l'emmener dans d'autres villes. Genre là, je peux l'emmener là-bas. Boîte de nuit. Ah, mais on peut pas aller en boîte de nuit, non? J'ai envie de l'emmener en boîte de nuit pour le premier date. Bubble tea, c'est pour ça que tu gagnes des points. La salle de muscu. Mon perso, c'est un lover, mais c'est un chacal, hein. N'oubliez pas. À la fête foraine. Bon, non, mon personnage, l'autre fois, il était choqué. Vas-y, on va l'emmener au Bubble Tea. Turn up. Oh, Illinois. Yips. Elle est où ma copine? Ah. Il met en montant ses muscles. Oh, elle aime pas la dame. Regardez le défilé de mode. Il y a un défilé de mode? Pourquoi elle veut me cancel? Complimenter son apparence. Demandez d'être sa petite amie. Ah ouais, ouais, c'est le moment. Yebzi. Cassandra vient de devenir la petite amie de Tommy. Ah ouais, ça va trop vite. Tiens, tu veux un café? Bubble tea au lait, au litchi, à la mangue, au taro, chocolat mousse de fromage frais. Ah ouais, au litchi. Merci Jam pour les 10 mois. Merci à toi. Let's go. C'est un zoo là, la commande. Mais les toilettes. Ah putain, mais attends, on s'est mis en couple dans les toilettes. Donne-lui, hein. Caressez la joue. Non, mais c'était pour elle, le bubble tea. Oh merde, je voulais lui offrir. Sors de table, wesh, y'a ta copine. Je fais une petite caresse, et après je vais draguer Savannah. Non, je me sens mal par contre, ça c'est horrible. Très enjôleuse. Elle est très enjôleuse là. Exprimer son affection. Mon perso il va pas bien là. Dessie. Faut que j'aille aux toilettes. Ok. Elle est en train de parler avec tout le monde. Moi je vais aux toilettes vite fait. Putain, énergie. Vas-y, elle est en train de parler, elle s'amuse. Manon Bertrand, fan de mode, ado. En vrai, c'est horrible. Rien que d'y penser, c'est horrible. Yams, Jeruk. Il y a ma copine à côté, wesh. Ah, on est tous les trois à la table.
Donner une bonne baffe. Frimer en montant ses muscles. Soutenir Manon concernant ses poils. Proposer un plan fou. C'est quoi le plan fou? Non, 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 je me sens trop mal. Ma copine est sortie de table. Illuminer la journée. Ah putain, on est en rencard, c'est vrai. Ok, elle reparle. Non, 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 non. Complimenter sincèrement. Parce que là, mon mec, il est quoi? Il est très heureux. J'ai commandé un truc vite. Commander à manger. Ah bah c'est bon, il fait déjà. Tu peux aller chez elle si je veux. J'ai envie de voler des trucs. Échanger des anneaux. Embrasser la joue. Vas-y, je vais faire un petit bisou. Attends, je mange et je vais faire un petit bisou sur la joue. C'est horrible. J'y mange pas là? Vas-y, j'ai mangé les mini hamburgers. Oh, ma copine, elle lui a piqué sa... Il a piqué sa place. Oh non, putain, je voulais graisser un burger. Attends, je reviens. Elle a mis où l'assiette? Mais attends, mais j'étais sur le point de manger, mais... Essayez de le voler. Putain, j'aurais dû voler l'assiette. Je vais essayer de voler son café. Avec Cassandra, commander à manger. Attends, faut que je commande à manger. Merde, elle est partie. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai pris son contact. Oh, mais Cassandra. Vite, mange. Faut que je mange, là, je suis en train de mourir de faim. J'ai le bubble tea de l'autre. Donc ça, c'est bien. Il me fait à manger, lui, ou pas? Attends, la nourriture. Mais il fait quoi, wesh? Action, manger. Comment je fais pour manger? Dans ton inventaire? C'est où l'inventaire? Téléphone, carnet. Devoir photo de la cabine photo. Oh mais c'est bon, il a mangé. Il est où ma copine? Elle est où ma copine? Discutez avec Kevin, je m'en fous. Elle est où? Oh non. Ah, elle est là-bas. Elle était partie se faire une game. On a la même démarche. Ou alors elle est fatiguée. Wesh! Échec 2, rencard, aucune récompense gagnée?
Comment ça, il shake de rancard? Yaba. Invité à rester dormir? Dormir ici, génial! Mais non, la maison! Elle est bête ou quoi? Oh non, le date il finit trop mal là, mais attends, mais il dort dehors et tout, elle dort dans le coffee, mais... Putain, la nuit elle va être super courte, les courses à 8h demain. Plus de choix? Amour? Je fais comment là? Va chez toi et tu l'invites? Yep. Se faire surprendre en tant d'infidèle, 0 sur 10. Obtenir le statut d'ex avec d'autres Sims. Ado, ado. Mais Manon, c'est pas celle... Ah mais elle est revenue, mais c'était celle qui était en rose. Relations, compétences. Oh, j'ai passé la nuit ici, hein. Téléphone se déplacer domicile avec Cassandra. Ok. Merci. Oh et merci Noémie. Voilà, on va à la maison. Vas-y, je parlerai à mon nom plus tard. Merci Noémie pour les 27 mois. Salut, ça fait un petit moment, j'espère que ça va, je m'attendais pas à te voir sur les Sims. Ouais, on a... J'ai voulu tester, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un banger. Ok. Tac. Se bécoter avec Cassandra. Quicksba Harfen. Très confiant, il est très 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 confiant mon personnage. Lit droit attribué à Tommy actuel. Oui, il se bécote là. Ok, là on est mardi. Mardi soir, je ramène une autre fille. Mon personnage, c'est comme ça que ça va marcher. C'est horrible. Ah. Ah. Sur le fait? Se faire surprendre en train de voler? J'ai essayé de voler qui? Quoi? La seule chose que j'ai essayé de voler, c'est le bubble tea de Manon. Ah, elle m'a vu avec le café? Je suis en retard pour les cours. J'ai pas mangé. Oh là 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 là. J'ai 2 minutes avant les cours. Vite, on va se doucher. Aïe, aïe, aïe. Je commence à avoir une traînée verte derrière moi. Milly Fontaine. Je prends une douche, je mange un petit truc. Déjeuner de terminal, ouais.
Manon Bertrand. Ah, mais c'est Manon. Okay. Aujourd'hui, c'est Manon. Embrasser sur les mains. On va être cash. En commandant. Les cours commencent dans 50 minutes. J'ai le temps de manger ou pas? Mange, wesh. Putain. Merde, faut que j'aille en cours. Oh, je suis en classe avec Manon. Je peux manger ou pas? Aller courir, s'asseoir par terre, penser à son coup de cœur. Et d'oublier son coup de cœur. Mon DM. Yibs. Ah, j'avais des devoirs à faire. Yibs, Yibs. Umpatosh Yamakalu. Shinoi. Bansha Dorna. Emka Fluf Gafa. Subi Whip. Bayema. Shazzle. Horme. Ah. Shapula. Olawate Narimo. Waf. Flidurno. Ah merde, ouais, j'avais des devoirs à faire. Tous les soirs, t'as des devoirs dans l'inventaire. Merde! Répondre à la peine. Pause de midi. Ah, la pause de midi, vite. Bon bah j'ai pris un déjeuner mais je l'ai pas graille je crois. Ok. Vessi, énergie. Un pipi et après on va draguer. Oh là là c'est dur. Tac. Et après on va voir Manon. Et d'ailleurs elle est pas venue en cours aujourd'hui ma copine. Embrasser les nains. Ils ont les vestes de l'université. Elle était trop fatiguée. Ouais, non, c'est vrai qu'on s'est couché hyper tard. Tant mieux, elle te verra pas. Vous êtes des monstres dans le chat, hein. Ah non, Bertrand. C'est mon mec qui marche là-bas, là. Ah oui, je l'ai vu. Il fait une sieste. Attends, il me reste un peu de temps. Je me repose. Et c'est bon, j'ai pris un peu de force. Illuminer la journée, complimenter sincèrement. C'est horrible, c'est horrible. Demandez comment s'est passée la journée. Après, faut que j'aille chez... chez Cass. Faut que j'aille chez Cass et que je vole des objets à ses parents. En cours? On est dans la même classe, on va pouvoir parler pendant les cours? On va pouvoir bavarder? Oh, imaginez Cassandra elle est à la maison. Mais elle fait quoi, wesh? Oh non, abuse. Abuse, mets-toi une table. Prendre des notes. Aller au cours de français. Pensez sur comment faire crack crack. Yibs, Yibs. Umpatosh Yamakalu. Ouais, mon mec, il s'en bat le.
Ouah, il est en cours, il est en train de parler avec Manon, il est part faire une sieste pendant la classe. C'est un ouf. Oh putain, elle pue. Ah mais c'est celle qui a fait le sport le matin. Bah ouais, mais faut se doucher après le sport. Ouh, ça a l'air d'être une mauvaise Emily. Stevie. Elle pue, elle a l'air d'être mauvaise. Bilan de fin de journée. Tommy a rendu du bon travail et a pris des notes de façon efficace aujourd'hui. Bah let's go. Let's go. Une bonne journée. Ah non. Oh, elle est engagée. Répandre une rumeur méchante. Non. Ah si. Oh, je vais dire une rumeur sur Cassandra. La soutire contre ses poils. Mais je pense parce qu'elle a des poils au bras. Du coup, il y a la soutenir concernant ses poils. Abgor, you flung. Kishta Balagul. Kishta. Watanini. Chauf Bikapa. Elle est dans l'équipe informatique. Le bal de promo approche, il aura lieu samedi soir dans l'auditorium du lycée. Mais on est que mardi. Complimenté sincèrement. Il y a le bal de promo samedi. Bon, on est mardi. Oh, le bal de promo, en gros, ça va être le point culminant de ma partie. Le bal de promo, je vais avoir genre 5 copines différentes. Donc là, ça va être le bordel, je pense, là-bas. Le bal de promo, ça va être le bordel. C'est temps d'être le roi du bal de promo. Niveau 2 de la compétence charisme. Demandez si elle est célibataire. Vas-y. Demandez à manger. Rouge, skiba. Shiniba Mitsal. Oh, il est parti commander à Grey comme ça en vitesse là. Ok. Tommy a appris que Manon était célibataire. Passez les mains. Un selfie. Alfonso. Nipwim Rimple. Bakoya shape him. Tenebip Blingo. Non, c'est trop. Nervous Yopik, hein? Philibok? Fene. Ah, Kangaroo. Allez, petit rencard. En fait, je suis curieux. J'ai envie de faire un rencard à la maison juste pour voir s'il y a ma copine là-bas. Rencard chez les gothiques. Je sais pas où ils habitent, les gothiques. Je peux pas aller chez eux de toute façon. Vas-y, on va chez moi. Je vais faire un rencard chez moi. Je suis juste curieux de voir s'il y a Cassandra. Ah, elle est partie de la maison. Socialiser avec son rencard. S'asseoir et parler à votre rencard. Flirter avec votre rencard en étant enjôleur. Premier baiser. Caldeo, Arabe, Storm of Flame,
blah. Deuxième premier blah, baiser. Blah, 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 blah. Et après, je lui demande d'être en couple. Florid. Dodo Vepi. Omiva Dodo Vepi. Pomeray Quas. Elle est passée où, Sapona. Nukum Galang, hein? Bimbeza. Cassandra. Laffy Flazzle. Ouvrir le profil. Relation. Petit ami, amant, être amoureux, c'est magnifique. Sentiment. Et Tommy envers Cassandra, coup de cœur. Oh. C'est un peu tôt pour se prononcer, mais il y aurait bien. Mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces deux Sims. Non, c'était vraiment dur de faire ça, c'est horrible. Invité au bal de promo, ça je peux pas. On va faire quoi mon mec là? Comment ça il part se chauffer? Ça pourrait être amusant, Manon veut aller au bal de promo avec Tommy en tant qu'ami? Ouais, merde, putain! Comment ça, elle veut aller au bal de promo? Je peux pas dire oui! Je peux pas dire oui parce que je vais en rencontrer d'autres encore! Pas question. Oh, elle le prend mal. Heurté. Tu l'as pas invité chez toi pour dormir? Oh là 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 là, ça a tellement diminué en amour. Mal à l'aise, sentiment amer. Tommy ne pensait pas que Manon était déjà l'étape meilleure amie. Comment ça meilleure amie? On s'est embrassé devant la maison. Oh là là. Manon me voyait comme une meilleure amie? Oh. Sakaba. Je vais m'excuser. Ouais, bah, pas... Mais comment ça, meilleur ami, on s'est embrassé il y a 10 minutes. Embrasser. Ah si, mais elle est très enjôleuse. On n'est pas meilleurs amis, là! Insulté! Oh. T'as enseigné sur comment faire crac-crac? Ah, Failage Benay. Narfawit. Je vais mettre en couple avant. Creedsel Clavy. Bobanef. Grosenix. Ooh, Kipepta. Déclarer son amour en public? Comment ça en public? Ah oui! J'ai cru que j'allais mettre sur les réseaux. Oh, elle a pas kiffé? Mais je comprends pas. Ouais, il est célibataire! Oh non, 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 non! Brune! Il m'a fait un selfie, mon mec, là. Il fait plaisir à voir que Cassandra. Lapin sociable. Lapin sociable, un endroit pour partager virtuellement votre vie. Ah, nouvelle publication et tout. Ah, il y a des réseaux sociaux. Poster quelque chose. Taguer quelqu'un, envoyer un message. Poster à propos de la préparation du bal de promo. Histoire heureuse. Dites à tout le monde à quel point cet événement nous fait plaisir. Mets le contact, envoyer un message. Message de drague à Cassandra. Henbei. You been? Yishla Henbei? Uh-huh. Oh, Shay be bully. Attends, j'envoie un message à ma copine.
Shemagra Gorbine. Lispa Leifen. Oh, j'ai entendu une porte, j'ai cru que c'était la porte là. J'ai cru que c'était la porte d'entrée. Flows it, flows it, flows it. Blah, blah, Darza. Default. Pana Harnet. Farté. Vas-y, on va farter. Je pense que c'est pas assez rempli la jauge. Tonkubu, Kinkaya Mal. Frenic Shinishi. Barl, Payfemion. Florine. Et où le portable? Soso. Marie Poshima? Oh, Tink. T'as pas répondu. Well. Weibo. Complimenté sincèrement. Il faut qu'il mange mon mec là. Enfin, ouais. Bah wesh. Pourquoi elle vide la poubelle, elle jette par terre? Babinef. Touga. Oh mais elle fait quoi? Pourquoi elle joue à la crasseuse à la maison là? Sharib. Elle est juste mettre à la poubelle, elle l'a mis par terre. Il est 23h. Ah, je peux pas me mettre en couple avec elle parce que je suis déjà en couple, c'est ça? Ah non. Renseigner sur les critères de partenaire de bécotage. Ok, je peux poser des questions un peu plus perso. Mais pourquoi tu dors, wesh? Bilan de la journée, il a dormi toute la journée. Wanoush, Dobo, Balange. Oh, Hansel. Yaba. Démenter l'apparence, offrir une rose, poser une question risquée. Jeru, question risquée? M-ball. Vous posez un rencard, technique de drague. L'orientation amoureuse? S'il le faut, elle aime les filles? Ah, Felic Vene. Narfowit. Regardez, romance, on va regarder un film après? Oh, Creedsel Clavy. Blah, blah, blah. Ah, mais je sais pas, ça. Y'en a pas la réponse? Arrête de dormir! Ah, je suis encore en pleine découverte, j'essaie de déterminer tout cela. Ok. C'est bon, je dois vraiment y aller, c'était très sympa, à plus. Oi. Enjôleur, prends une douche froide. Bon, allez. Aïe. Ouais, big flop. Là, mon personnage, il a pas géré. Cassandra, elle est folle amoureuse. C'est rempli à fond la jauge. J'ai cours ou pas aujourd'hui, moi? Mal à l'aise? Va faire pipi? Mis ta douche, il va faire pipi? Qu'est-ce qui va pas? Enfin, je vais pas avoir le temps de manger, ça va être les cours. Oh putain de merde! Oh là 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 là! Incendie! Oh non, j'ai cours! Oh, Tommy est à l'école, sécher l'école, fait avoir de mauvaises notes. Tommy doit-il sécher? Oh ouais, mais non, mais là j'ai une excuse. J'ai une vraie excuse, là il y a le feu à la maison. J-
Je sais, Choupin. Les pompiers sont là, va en cours. À ma tête dans les Sims. Vous êtes mon héros, je promets que je n'oublierai jamais ce que je dois ma vie à vos actes héroïques. Roussi, raison était en feu. Oh là là, bah j'ai plus d'argent si je remplace ça. Aïe 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 aïe. J'ai reçu $480 de la part des assurances. On m'appelle ? Le directeur appelle ! Oh putain. Ooh. Ah, Chorg ? I have floof. Usa ? Huh ? Way bo, Kweba ? Retard pour l'école, je peux y aller encore ou pas ? Les élèves, devoir difficile. Merde, j'aurais dû mettre facile, putain. J'ai des notifs ? Comment ça, je dois y aller, c'est sympa. Attends, là, je fais quoi ? J'ai envoyé tout seul à l'école ? Oh ? Tommy doit-il inviter chez lui ses camarades de classe, Manon ? Oui ? Merci Occitane pour le Prime, bienvenue ! Bienvenue à toi ! Et je fais ma journée de cours. Il invite Manon. Oh, elle a mis une petite emoji. Tommy, avoir un ami comme toi, ça me fait plaisir. Mais c'est qui m'a envoyé ça ? C'est moi, je me suis envoyé ça ? Oh. Elle est de retour. Ok, après faut que j'y aille. Amertume tenace. Ça sent mère à propos de quelqu'un à proximité. Ne supporte pas la venue de quelqu'un à qui il en veut ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Évacue le stress. Oh là là, ah là là. Supplier de pardonner ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, oh, c'est parce qu'elle est venue à la maison et je me suis endormi. Elle m'en veut parce que je l'ai laissée toute seule et je suis parti dormir. C'est compréhensible. Voilà, faut t'avouer, à moitié pardonné. Augmenter l'apparence. Ouh, aïe, 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 aïe. Parler de mes incertitudes. Je comprends pas là. Et là on s'est embrassé. Je comprends pas. Elle joue avec moi. Normalement ça doit être l'inverse. Mon personnage. Elle est en train de m'avoir. À mon propre jeu. Révéler un béguin. Et je vais lui dire. Ouh yo yo. 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 Ouh yo yo.
En contre embarrassante. Ou pourrais-je me cacher? Cette conversation était très embarrassante. C'était un bisou d'ami? Bon bah on est amical. Ok bah c'est ma pote. Je me suis fait friendzone. Bon, on s'est embrassé mais je suis... Oh putain. Félicité. Bon, on va parler de la journée. On va repartir à la case départ. J'ai cliqué sur se moquer. Bah merde, rencontre un commandant. Mais attends, mais quoi que je dise, on s'entend mal. Quoi que je dise, ça s'embrouille. Clevite, rattraper. Ok. Merci Cristalé pour les 7 mois. Non, Cassandra, elle m'a fait un petit post. Tommy, que poste une planche vache sur les réseaux sociaux? Des mémeux. Oh, elle a fait une petite blague. Non, je me sens trop mal. Je la fous à la porte, je vais voir Cassandra. Demande à Manon quel est son problème. Cette tension entre nous n'est pas de ma faute. Du moins pas complètement. J'ai le droit de ressentir de l'amertume à propos de ce qui s'est passé entre nous. Ouais, c'était tendu avec Manon là. Merci Lisa pour les 2 mois, merci à toi. Là c'est e-shake. Je sais pas comment ça a dégénéré aussi vite. Je sais pas comment avec Manon ça a dégénéré aussi vite. Non, non. Fais attention toi. Oh. La cuisiner. Charo, compagnon, t'as un charo, pas un lover. Je te rappelle, tu choisis pas une copine, tu les choisis toutes. Eh ouais, bah ouais, mais du coup là, j'ai pas réussi avec Manon. Faut que j'essaie avec d'autres filles du lycée. Peut-être elle a appris que t'avais une copine. C'est peut-être vrai, hein. Peut-être que oui, peut-être qu'elle a oublié que j'avais une copine. Enfin, qu'elle s'est souvenue que j'avais une copine. Bon, bah je vais appeler Cassandra. On va inviter Cassandra. Et après la journée là, j'arrête. J'ai quelque chose de prévu ce soir. Cassandra va arriver. Et putain, y'a Cassandra qui arrive et y'a ma pote Summer. Cassandra qui est là. Dermid. Ah, j'ai ma pote Summer. Merci AD pour les 23 mois. Merci à toi. Je plains des problèmes. Non mais mes problèmes c'est que je me suis... j'ai pas réussi à sortir avec Manon. Complimenter l'apparence. Turinga. Summer, elle est trop à l'aise. Bon, c'est ma pote. Non, non, c'est horrible de faire ça. Échange des anneaux. Essayez de séduire, exprimer son affection, flirter. Elle est trop drôle. Elle a des petites vidéos drôles et tout. Évacuer le stress, mais pourquoi il est stressé encore? Y'a plus de feu.
a bidet. Shavlet ya gambler. Invité à rester dormir. Dormir ici, génial. Ça se passe trop bien avec Cassandra. Et en plus, elle devient pote avec ma meilleure amie. Je vais renseigner sur comment faire crac crac à côté de ma petite amie. C'est ma meilleure amie, on parle de tout. Kit Light, faut des ex. Manoir joint. Il est quelle heure là? 22h. Mais Summer, t'es trop à l'aise, rentre à la maison maintenant. Macaroni au fromage. 7h avant la péremption. Je vais manger son plat, je pense. Il est confiant, mon mec. Comme ça, voilà. J'ai pas besoin de cuisiner, il y avait un plat qui est déjà fait. Je réveille Cassandra et je la quitte. Parler de mariage. Ou alors sinon j'essaie de la faire fuir. Je lui parle de mariage. Parler de mariage. Summer, t'es trop à l'aise. Bon, Summer... Summer, elle est trop à l'aise. Avec ma copine, elle est là dans la chambre. Je se meurs. Kator, Dobby. Rau Hispa, Yaluf. Quixba. Non, c'est trop, wesh. C'est trop. Je dois y aller, c'était sympa, à plus. Ah bah merci. Elle a compris. Et je la quitte le matin avant d'aller en cours ? Les cours de Tommy commencent dans une heure environ. Casse, faut que je te dise un truc. Amour ? Méchant ? Insulter et rompre. I can't. Après le petit déj, j'étais en train de faire le petit déj. Bye bye. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Non, c'est horrible. Putain, par contre, je fais jamais mes devoirs, je fais rien. T'es prêt ? Manger la salade du jardin, vite. Elle a fait un grain et j'ai pris le bon. C'est trop. Bon, pour une fois, je commence la journée en confiance et je suis bien là. Ah, y'a Manon. Je m'excuse. Bon, et puis attendez, bah, non, parce que j'avais un truc de prévu ce soir. C'est vrai que les Sims, ça, c'est prenant, hein. J'arrête à cette journée-là. Ah, j'ai pas vu le temps passer, je devais arrêter à 20h.
Mais en même temps, non, c'était vraiment un banger. Bon. On sauvegarde. Normalement, c'est save, hein. Putain, Charo, faut pas devenir en couple. Putain, ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre en couple. Je pense qu'il faut que je rompe pour me mettre avec Manon. Sauvegarder et quitter dans le doute. En fait, je crois que Manon, le truc, c'est que elle sait peut-être que je suis en couple. Du coup, elle voulait rien. Ce qui est normal, hein. On t'avait dit de rompre. Le truc, c'est que dans tes objectifs, tu dois tromper. Ouais, c'est ça, dans mes objectifs, vu que j'ai fait vraiment un charo, il doit tromper. Donc, il faut que je reste en couple avec Cass pour la tromper. Ah, c'est horrible. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu qui est comme ça. C'est le jeu qui est comme ça. Moi, j'y suis pour rien. Mais en tout cas, banger. Hein. C'était vraiment banger. On a bien fait de... On a bien fait de jouer aux Sims. Incroyable jeu. Vraiment incroyable.